الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. On m'a demandé de parler au sujet de la préparation de la vie de couple et de la vie de famille. La vie de couple et de la vie de famille, c'est quelque chose qui, personnellement, me tient à cœur et je suis consciente de leur importance et l'importance, justement, de bien préparer sa vie de couple pour et sa vie de famille, par conséquence, pour pouvoir vivre bien, être un bon musulman, un citoyen efficace, un membre de cette société, de cette nation qui ne fera que faire évoluer les autres, sa société, puisque lui-même il évolue dans un climat sain. Donc la vie de famille, pour la préparer, il faut avant tout définir notre conception de la famille. Quelle place elle a, quel mérite elle a. Donc définissons plutôt cette conception. La famille, c'est la première cellule de la société, c'est la pierre angulaire de la société. Si elle est saine, si elle est bien entretenue, équilibrée, épanouie, apaisée, la société en tirera profit et la famille sera une source de stabilité et d'évolution pour la société tout entière. Bien entendu, la famille, elle a existé depuis le début de l'existence de l'être humain. Rappelons-nous de Sayyidina Adam alayhi salam, là où Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a ordonné d'habiter lui et sa femme. Askun ya Adam, askun anta wa zawjuka al-janna. Demeure dans le paradis, toi et ton épouse. Donc, en islam, la famille jouit d'une grande importance, elle a une place de choix, à tel point que les versets et les règles qui gèrent la famille ont des caractéristiques très spécifiques. Nous trouvons notamment dans les versets coraniques, lorsqu'on parle de règles qui gèrent la famille, on les trouve très détaillées, notamment si vous regardez tout ce qui concerne l'héritage, tout ce qui concerne le mariage, tout ce qui concerne le divorce. Tout ceci est très très bien détaillé. Pourquoi ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une importance à la famille. Plus que ça, on trouve que la famille, elle est liée dans beaucoup de versets à la croyance. Vous savez, la croyance, il n'y a pas de plus élevé que la croyance. Il n'y a pas quelque chose de plus haute que de croire en Allah subhanahu wa ta'ala en sincère, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer en unique. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a annexé à son adoration, à la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, des règles qui concernent la famille. Nous trouvons ça notamment dans un verset coranique qui nous dit « Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal-yawm al-akhir, wal-malaika wal-kitab, wal-nabiyyin » وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى. Dans ce verset de sourate al-Baqara, le verset 177, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit l'obéissance, ce n'est pas simplement de se diriger à l'Occident ou à l'Orient, mais la vraie obéissance, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de croire au jour dernier, c'est de croire aux anges. Là, nous avons les six piliers de la foi, c'est de croire aux livres, c'est de croire aux prophètes. Et c'est aussi, au même temps, il annexe, il colle à ses croyances, on va trouver, et celui qui va donner à ses proches, les proches dans le cadre de la famille, de ses biens. Donc ici, on trouve le fait d'être généreux, la générosité dans la famille, elle est annexée au pilier de la foi. Et ce n'est pas arbitraire, ce n'est pas pour rien. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut insister sur l'importance de la famille. Dans d'autres versets, notamment lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit
قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, venez réciter ce que Allah a interdit, a rendu illicite. Allah, il vous interdit de lui associer quoi que ce soit, et Allah vous ordonne d'être bienfaisant, bienveillant vis-à-vis de vos parents. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur, il a décrété que tu ne dois l'adorer que lui, c'est-à-dire que tu dois l'adorer en unique, et en même temps, tu dois être bienfaisant, bienveillant vis-à-vis des parents. Donc ici, nous remarquons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, regardez bien le verset, les versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il lit entre la croyance et l'obéissance aux parents et la bienfaisance vis-à-vis de la famille tout entière. Donc, bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, je récapitule par rapport à ce point, c'est que l'islam donne une grande place à la famille parce que c'est la première cellule, c'est le socle sur lequel va se construire la société. Et bien entendu, le mariage est la base de la famille. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, il l'a considéré comme un de ses grands signes, comme une preuve de sa grandeur et de son imminence. L'islam, Allah, il considère le mariage comme un de ses grands signes, wa min ayatihi, et aussi ça démontre la force, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque notre Seigneur, il dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Donc ici, Allah nous dit, c'est parmi ces signes qu'il vous a créé de vous, pour vous, des époux, pour que vous trouviez la sérénité. Et il a fait en sorte, il a créé entre vous amour et clémence. Subhanallah, deux êtres qui ont grandi bien loin l'un de l'autre, qui ont eu des éducations bien différentes l'un de l'autre, d'un coup, avec la miséricorde et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le mariage, c'est une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'union des êtres pour créer des familles, créer la société, c'est une volonté divine, comme nous l'a montré ce verset que je venais de dire. Donc avec la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, on trouve deux êtres qui étaient si différents, qui deviennent les plus complices au monde, complices, intimes, une grande proximité se crée entre eux, jusqu'à ce que Allah il nous dit, dans un verset très beau, elles sont un habit pour vous et vous êtes un habit pour elles. Libes, hein? C'est hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. L'habit, le libes en arabe, si vous voulez, il n'y a pas quelque chose qui te colle plus que ton habit. Et là, on lit beaucoup de choses dans l'habit. L'habit, il te protège. L'habit, il te couvre. L'habit, il t'embellit. L'habit, c'est la chose qui est la plus proche de toi. Ton mari ou ta femme, c'est l'être le plus proche de toi. C'est elle qui te protège, la personne. Ton mari, le mari protège sa femme et la femme protège son époux, son mari. Donc, il y a une protection mutuelle. Il y a aussi couvrir les défauts, couvrir ce qu'il ne doit pas se voir. C'est elle qui le protège, c'est lui qui la protège. Il y a cette proximité, cette intimité qui se fait entre toi et ton habit, qui est ton époux ou ton conjoint. Et il y a la notion de l'amour qui est le plus proche, l'amour de l'être qui devient une partie de toi. Et ceci vient par la volonté de Dieu. Parce que s'il n'y a pas cette volonté, on était si différents. Et chacun d'entre nous, il était si bien chez lui, chez ses parents, hein, normalement. Vous savez, il y avait une dame qui a conseillé c'est une histoire très ancienne, il vous la trouvez dans tous les livres qui traitent du mariage. Une dame qui a conseillé à sa fille la nuit de ses noces, elle lui a divulgué des conseils. Au début du conseil, elle lui a dit, tu sais,
tu as grandi dans un milieu différent du sien. Il a grandi dans un milieu différent du tien. Si tu veux avoir l'honneur chez toi, t'es bien, t'en manques pas. Et lui aussi. Mais Allah, il a créé les hommes pour les femmes et les femmes pour les hommes. Ainsi, tu vas aller chez lui et elle lui a divulgué multiples conseils pour bien mener cette vie de couple, cette vie de famille, inshallah. Donc on a vu que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une certaine intimité, certaine proximité de l'amour tout court qui se crée entre deux êtres qui étaient si différents et qui vont donner, grâce à cet amour, une génération, j'espère, qui sera équilibrée et que cette génération, ces enfants, seront fiers de leur descendance, de leur père, de leur... Pourquoi ? Parce qu'ils viennent d'un mariage licite, ils viennent d'une union légale. Il n'y a rien à cacher, au contraire. Ils sont fiers de leur origine, ils sont fiers de leur père et de leur mère. Et ainsi, par le mariage, les deux conjoints sont protégés, parce qu'ils sont protégés de toute déviation, ils sont protégés de toute pratique illégale, puisque c'est dans le mariage qui est l'unique cadre légal qu'ils vont satisfaire leurs besoins, qu'ils vont trouver leur plaisir et satisfaire leurs désirs. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. Ceux qui se préservent de toute débauche, des mauvaises mœurs, tous ceux qui se préservent et qui protègent leur intimité, à l'exception, ils peuvent vivre normalement et donner à leur plaisir ce qu'ils méritent dans le cadre du mariage, c'est-à-dire avec leur conjoint. En plus, les enfants, dans ce cas-là, seront des êtres qui nous attireront bonheur, qui nous attireront les hassanettes, même après notre décès. Et vous savez que l'enfant, à lui tout seul, s'il lui donne une bonne éducation, l'enfant à lui tout seul, s'il lui donne la bonne éducation, il peut être ce qu'on appelle une sadaqa jariya. Sadaqa jariya, c'est ce qu'on traduit par aumône fructueuse, c'est-à-dire qu'à chaque moment, mon enfant peut m'attirer des hassanettes. Mon enfant, si je lui apprends que birr al-walidayn, que l'obéissance, la bienfaisance, la bienveillance vis-à-vis des parents et est un acte qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, si je lui apprends le mot al-birr, après ma mort, il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est al-ibn al-salih yad'ulah, l'enfant pieux qui va invoquer Allah pour ses parents. Après cela, nous avons le fait, si j'apprends à mon enfant à faire la prière, lorsqu'il va la faire, mon enfant, je vais aussi récolter la même récompense que lui sans lui retrancher quoi que ce soit. Mais mon enfant aussi, si je lui ai appris cette prière et lui, il va la prendre à l'autre, à son enfant, et ainsi de suite, ça continue, j'aurai toujours, pendant toute l'existence de ma progéniture, j'aurai des hassanettes à longueur de leur vie, sans le retrancher, bien entendu, eux, rien du tout. Et moi, j'en profite. Donc, il n'y a pas meilleure action qui peuvent me réunir ces trois choses qui peuvent me ramener le bien, même après ma mort, al-ibn al-salih, wal-ilm al-nafi, wa-sadaq al-jariya, ils peuvent se réunir dans l'éducation des enfants. Et bien entendu, le fait d'avoir des enfants, inshallah, bien guidés, les enfants, naturellement, sont une beauté de la vie. Et on les veut et on les cherche. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit d'une façon très claire dans le Coran, al-mal wal banun zinatul hayat ad-dunya. La richesse et les enfants sont la beauté de cette vie ci-bas.
Hein, on aime les avoir. Donc, à travers le mariage, par le biais de le mariage, c'est quelque chose qui est réalisable. C'est dans le cadre du mariage que tout ceci doit se réaliser. Et avant tout, la famille est un grand espace pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et se rapprocher de lui et pour gagner sa satisfaction. Le croyant, s'il cherche par son mariage à se protéger, il cherche la protection, se protéger des interdits, du haram. Première chose, et tout au long de la vie maritale, de la vie familiale, les actes du bien, les bonnes œuvres ne cessent de progresser, c'est-à-dire qu'on va s'entraider au début le couple, après avec les enfants, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'adorer en sincère. Donc là, la famille, elle nous permet, c'est un cadre où nous pouvons adorer Allah subhanahu wa ta'ala, être apaisé, être serein et en même temps développer notre adoration et s'élever, inshallah. Donc pour moi, la famille, le couple, le mariage, c'est un projet d'adoration. Le mariage, c'est un projet d'adoration. C'est-à-dire qu'on se marie avec l'intention qu'ensemble, nous serons mieux protégés, mais ensemble, nous pouvons s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala davantage. Nous allons s'entraider pour mieux travailler, pour mieux œuvrer, pour mieux faire, pour atteindre la satisfaction et pour mieux plaire à notre Seigneur, inshallah. Donc, la famille fondée sur la sécurité, elle donne la sécurité déjà, l'amour, la clémence et l'entraide. La famille est une source de paix et de sécurité. Il est du rôle des époux de créer une ambiance de sécurité et mettant en place une relation de confiance et ou une relation fondée sur la confiance et sur la solidarité qui va aider tous les membres de la famille à avancer et à affronter la vie avec assurance et en se sentant soutenus et protégés. Donc lorsqu'on est en famille, lorsqu'on a une vie de famille saine, on va mettre tout en place pour que nous ressentons tous les deux, que ce soit l'homme, la femme, les enfants, on va ressentir ce sentiment de sécurité, sentiment d'être épaulé, d'être protégé et qu'on puisse avancer dans la vie sans crainte. Même lorsqu'on va affronter certaines difficultés, bon, on sait qu'on est épaulé, qu'on a un soutien, qu'on n'est pas tout seul dans la nature. Non, on a toute notre famille qui est derrière nous, qui est là pour nous soutenir, inshallah. Et là, c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lorsqu'il parle des croyants en général, mais je crois la famille au début, ça s'applique à elle avant. Lorsqu'il parle des croyants, il dit مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Qui veut dire l'exemple des croyants dans leur amour, dans leur clémence, dans leur solidarité, c'est comme l'exemple d'un seul corps qui est unique. Si un membre du corps, si un organe souffre, tout le corps va veiller, va être solidaire, va veiller et va se mettre à travailler. Vous savez, la fièvre, lorsque nous avons la fièvre, c'est une manifestation à ce que tout le corps, il est là, il est prêt à résister pour chasser le microbe ou le virus qui est en train d'attaquer le corps. Ben, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec sa grandeur, sa grande sagesse, et puis l'éloquence qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, il a donné cette image qui est très belle, l'image du corps. Le corps des croyants, les croyants sont comme un seul corps, unis. Et si quelqu'un, si une aiguille, s'il est touché par la moindre des choses, s'il est piqué quelque part, ben tout le corps, il va se manifester et tout le corps va dire « Je suis présent
pour te protéger. Là, la famille aussi, elle doit être ainsi. Il y a une protection qui est là et tous les membres de la famille, sont là pour protéger et pour être solidaires avec chacun de ses membres. Mais la famille musulmane, dans sa conception et dans sa construction, n'est que la concrétisation de la morale, al-akhlaq musulmane, notamment dans le choix du conjoint, et la foi, bien entendu, est la base de la morale. La morale, elle a une grande importance, al-akhlaq, elle a une grande importance. D'ailleurs, avec la famille, nous allons parfaire la morale. Ça permet de parfaire la morale. Et en même temps, pour arriver à fonder une famille saine, je dirais, nous avons besoin de critères qui viennent de notre morale et qui se basent sur notre foi. Notre Seigneur nous déconseille ou nous interdit d'épouser des associateurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de foi. Et il dit dans un verset, ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. Et il dit la même chose pour les hommes. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. Donc pour épouser quelqu'un, il faut choisir, il faut regarder. Et la base du choix, au début, c'est la foi. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit d'une façon claire et nette, qu'un croyant, celui qui partage avec toi ta foi, une croyante qui partage avec toi ta foi, est plus digne de toi. Elle sera être complémentaire avec toi pour ta vie et pour ta vie de famille en général. Mais comme le critère de foi il est général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le spécifie dans beaucoup de hadiths, notamment lorsqu'il dit تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. C'est-à-dire l'allama al-manawi, un grand savant, il dit تخيروا, choisissez pour vos enfants si vous voulez. Ça veut dire ne pas les mettre, ne pas enfanter avec n'importe qui. Il ne faut pas épouser quelqu'un qui a des mauvaises mœurs, quelqu'un qui est dans la débauche. Il faut choisir l'homme et la femme qui sont dignes, l'homme et la femme qui sont chastes, l'homme et la femme qui se préservent. Et ne pas tomber dans la débauche en épousant quelqu'un qui est dedans. Mais le choix, ce n'est pas si simple. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on se marie avec une femme, tunkahu, al-mar'a li arba. On se marie avec une femme pour sa richesse, pour sa beauté, pour son rang social, ou pour sa religiosité. C'est-à-dire, il y a des gens, dans leurs critères, ils veulent s'enrichir. Donc, ils vont tout mettre en œuvre pour trouver la femme qui a un héritage, ou la femme qui est riche, ou la femme... D'autres qui cherchent une élévation sociale. Ils cherchent à rentrer dans certaines sphères sociaux. Donc là, il va chercher une femme qui correspond à ce critère. L'autre qui est plutôt attiré par la beauté physique. Donc il va chercher dans ses critères. Et d'autres qui vont chercher plutôt la piété de la personne et sa foi, sa pratique, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit
فاظفر بذات الدين تربت يداك. Gagne celle qui a la religion, gagne celle qui a la foi, tes mains seront bénies. Donc le premier critère que nous devons mettre dans nos priorités, c'est avant tout la foi. C'est avant tout le bon comportement. C'est avant tout l'islamité. Ça ne veut pas dire que t'es obligé de négliger les autres. Non. Mais il ne faut pas qu'ils aient le même rang. C'est tout à fait normal dans un mariage qu'il y a kaboul, acceptation de l'autre, qu'il y a une attirance physique. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que tu ne vas pas prendre quelqu'un, je l'ai dit au début, quelqu'un qui vient d'un milieu qui n'est pas sain. Hein, de point de vue des mœurs, hein, je parle toujours. Donc ça, c'est tout à fait normal de l'observer et de faire attention. Mais avant tout, il faut faire attention à ce que la croyance, la foi doit être présente. Et c'est la première chose. Après, lorsqu'il parle aux femmes, il dit « إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِجُوهُ » Si vous avez la demande d'une personne que vous êtes satisfait de sa religiosité et de sa morale, mariez-le. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, il ne parle pas pour rien. Hein. Lorsqu'il parle, il y a une grande sagesse, il y a des grands enseignements derrière. Ça ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui est d'apparence musulman ou qui a une pratique visiblement rigoureuse pour l'épouser. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il ait au même temps un bon comportement. Il faut qu'il soit quelqu'un de bon intérieurement. Parce que la forme, ce n'est pas sur elle qu'il faut juger. Il faut le fond avant la forme. Il faut la bonté de l'être, la gentillesse, le pardon, la clémence. Il faut qu'on ait quelqu'un qui a certaines qualités qu'on ne peut pas s'en passer. Et ces qualités sont déterminantes dans le choix. Mais des fois, on peut me dire, mais on ne peut pas savoir. Moi, je dis qu'il faut mener une enquête, carrément une enquête policière. Tu ne peux pas te marier avec quelqu'un comme ça. Tu ne peux pas ouvrir ta porte et dire, tu vois quelqu'un qui passe, waouh, il me plaît, je vais me marier avec. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Avant tout ça, j'ai des critères qui sont bien déterminés dans ma tête. Une fois que cette personne répond à ces critères, oui, je peux réfléchir. Oui, je peux voir, mais avant ces critères, si ces critères ne sont pas là, malheureusement, je fonce dans un mur. Et combien de problèmes ont eu lieu par des mariages qui ont été faits sur les apparences, d'une façon très rapide, non réfléchie. Donc nous avons dans le choix du mariage l'obligation de bien voir les qualités de la personne, d'où il vient. Il côtoie qui ? Il fait quoi dans sa vie ? Il fait quoi comme œuvre dans sa vie ? Qu'est-ce qu'il fait de bien ? Il va à quelle mosquée ? Il côtoie quelle personne ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vit plutôt pour le matériel, pour ses plaisirs et ses désirs ? Et là, il faut bien faire son enquête pour pouvoir bien décider. Parce que la décision revient à toi, jeune fille ou jeune homme. La décision revient à toi, bien que tu dois concerter et consulter. Concerter les gens de confiance, en qui tu as confiance, bien entendu ta famille en premier lieu, mais les gens de ton entourage, et au même temps, tu dois consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, un compagnon, Jabir, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il nous apprenait l'istikhara comme il nous apprenait les sourates coraniques.
L'istikhara, c'est comment demander la consultation à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, nous devons le faire. Donc, une fois le mariage arrivé, il y a des choses qui sont indispensables. C'est la communication. Les premières clés de la réussite avant le mariage et pendant, c'est la communication. Nous devons se parler, nous devons communiquer. Et lorsqu'on dit communiquer, c'est vraiment se raconter. Tu te racontes toi-même. Évoquer ses goûts, ses envies, ses besoins. Et c'est l'occasion aussi de surprendre l'autre, d'élaborer ensemble des projets. Il faut sans cesse se nourrir et être un agent actif au sein du couple et ne pas attendre que cela vienne de l'autre. Cela implique d'être curieux, de se cultiver, d'avoir des projets et d'être en constante évolution. Il faut aussi que l'écoute soit réciproque. L'autre doit pouvoir entendre. Il faut que chacun soit attentif aux besoins des et aux envies de l'autre ou de son compagnon ou de sa compagne. Avec le temps, il faut rester toujours dans l'accueil, rester généreux envers l'autre. Un couple a besoin d'entretien comme une personne. Qui d'entre nous n'a jamais été caressé par le rêve d'être compris de son ou sa bien-aimée sans avoir à prononcer un mot ou un seul mot? Et qui n'a jamais été cruellement déçu? Parce que l'amour, oui, rend aveugle, dit le proverbe, mais pas devin. On ne peut pas deviner ce que tu veux. On ne peut pas deviner ce que tu caches. On ne peut pas deviner ce que tu aspires. Donc, tu dois mettre des mots sur ce que tu veux. Vous savez, les scènes de ménage ont lieu quand le couple n'a pas pu dialoguer avant. Des fois, on peut exprimer sa colère ou son désaccord. Avant que ceci dégénère en conflit, il faut éviter les vérités absolues. Le fait de dire, de toutes les façons, toi tu penses toujours qu'à toi. Ou bien de prendre des décisions en solo. Ce week-end, on va le passer chez ma mère. Il faut plutôt parvenir à écouter l'autre et à éviter d'être frontal et dire sans condamner. On peut dire des choses, mais pas dans la condamnation. Et si parler des fois est très dur, on peut écrire maintenant au temps des SMS et des mails et des lettres. On peut écrire et dire ce que nous avons. Avant et pendant, j'ai dit le mariage. Al-Qadhi Shourahbil, qui est un grand savant, quelqu'un est venu le voir. Il lui a dit, je veux me marier, peux-tu me conseiller quoi faire? Il lui a dit, je vais te raconter mon histoire. Moi, j'ai pris une femme d'un autre village. Et la nuit de mes noces, je suis rentrée dans ma chambre. Et ma femme, la nouvelle mariée, elle a commencé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, inna alhamdulillahi, nahmadu, wa nasta'inu, wa nastaghfiru, wa na'udhu billahi min shururi. Et elle m'a fait une khutba, un prêche. Et elle m'a dit, voilà, moi je viens d'un village différent du tien. Dans mon village, il y avait des gens qui étaient mes équivalents, c'est-à-dire qui me valaient. Et toi, tu viens d'un village différent de moi, et dans ton village, il y avait des gens qui t'équivalaient. Dis-moi, comment tu veux que je sois avec toi, avec ta famille, et ainsi de suite. Elle lui a posé une série de questions. Il a dit, elle m'a poussé à faire une khutba alors que je n'avais pas prévu de le faire. J'ai commencé pareil, « Inna alhamdulillahi, nahmadu, wa nasta'inu, wa nastaghfiru » jusqu'à la fin. Et il lui a dit ce qu'il attend d'elle. Il lui a dit, j'ai vécu avec elle 25 ans, il n'y a jamais eu entre nous un problème. Sauf une fois et j'étais injuste avec elle, c'était de ma faute. Donc là, ça nous apprend quoi? L'importance de mettre des mots,
l'importance de communiquer, l'importance de dire ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et on se met en accord. Il y a toujours des concessions, il y a toujours des compromis. On est différents, on n'est pas une copie de l'autre et on ne doit pas l'être de toutes les façons. Chacun a sa personnalité, mais on essaye de trouver des champs d'entente, des terrains d'entente. Et on doit trouver ensemble des façons de faire. Donc pour y arriver, on doit parler, on doit communiquer, bien entendu, dans le respect et dans les règles de l'art. Donc la communication a une très grande valeur. Et bien entendu, je l'avais dit au début, mais je le répète, lorsqu'on commence ce mariage, on le commence en ayant une niya sadiqa, une intention pure, sincère. J'épouse cet homme ou j'épouse cette femme pour me protéger et pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et je suis dans l'application de la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je m'appuie sur Allah subhanahu wa ta'ala et je demande son soutien pour réussir cette entreprise, parce que c'est une entreprise, parce que c'est un grand travail, c'est un grand chantier, je dirais même, qui est bénéfique, hein, il a de très bons côtés, mais qu'il faut savoir le mettre en place et savoir le protéger et l'entretenir. Se rappeler aussi que notre conjoint ou que ton conjoint est aussi ton frère en islam ou ta sœur en islam. Ton frère, ta sœur en islam, ils ont des droits sur toi et ils ont des devoirs aussi. Donc nous avons des droits et des devoirs que nous essayons de les tenir pour que notre relation reste et dure et s'améliore. Donc tu vas faire toujours de ton mieux pour mieux garder cette relation et la fortifier. Bah, ton mari n'est que, ou ta femme n'est que ton frère ou ta sœur en islam. Et il faut considérer ça et il faut travailler ça en toi avant et dans ton quotidien. Il faut aussi savoir que ton mari, ce n'est, ou ta femme, ce sont que des êtres humains. Et tout être humain peut fauter. Il ne faut pas croire, parce qu'avant le mariage, vous savez, nous avons des rêves, que le mari, ça va être l'être le plus parfait. Il ne l'est pas. Comme toi, tu ne l'es pas. Tu es un être humain, tu as tes petits défauts, il en a les siens, et il ne faut pas insister que sur les défauts. On peut voir les bons côtés. Et vous savez, lorsqu'on insiste sur les bonnes choses, la personne en face, elle va faire davantage d'efforts pour les valoriser et pour en faire davantage. Lorsque tu remercies ton mari ou ta femme pour une action qu'il a faite, ben il en va faire encore. Mais lorsque tu négliges et tu ne prêtes pas attention, « Ah, dis, il n'a même pas vu, elle n'a même pas vu. Ben, ça ne sert à rien tout ce que je fais. » J'ai eu une dame qui s'est mariée il n'y a même pas 3 mois. Elle m'a dit « Je fais plein de choses, mais il ne voit rien. Tout ce que je fais, il ne me dit rien. » Je dis, bah, demande-le. Vous savez, on a un proverbe qui dit, ton enfant sera selon ce que tu as donné comme éducation, et ton mari ou ta femme sera selon comment tu l'as habitué. Donc, donnons les bonnes habitudes. Tu veux qu'il te dise telle ou telle chose, bah, demande-le. Vous savez, premier jour, deuxième jour, troisième jour, on est un petit peu timide. Mais après, c'est fini. Hein. Tu as le droit de demander tout ce que tu veux. Hein. Tu veux entendre tel mot, dis-le, je veux entendre tel mot. Tu veux qu'il te fasse telle action, bah, tu peux le demander clairement, nettement, sans tabou. Et ainsi, les choses seront traitées d'une façon beaucoup plus simple. Parce que lorsque tu gardes dans ton cœur, bah, malheureusement, ça ne fera qu'enviminer les choses. Et l'atmosphère sera polluée. Tandis que lorsqu'on parle d'une façon saine, tout ira, inshallah, pour le mieux. Il faut savoir surprendre le conjoint. Surprendre avec des bonnes choses, avec des bonnes actions, avec des cadeaux. Vous savez, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Tahadou, tahabou ». Offrez-vous des cadeaux, aimez-vous. Ça veut dire que les cadeaux peuvent agrandir, fortifier l'amour. Il n'y a pas de problème. Faire des bons gestes. Mais il ne faut pas oublier la séduction. Ton mari, c'est comme une plante. Ta femme, c'est comme une plante, une plante verte qui a besoin d'être soignée.
Le mariage, c'est comme un bail qu'il faut renouveler tous les matins. Et par des paroles douces, par des beaux gestes, par des compliments. Et puis, il ne faut pas oublier l'attirance physique. L'attirance physique, elle est un fondement quand même. À certains moments du mariage, on se croit, bah, c'est tout. Non, rien n'est acquis, madame, monsieur. Tout se travaille. Et on trouve certaines négligences, des fois dans l'essentiel. Je dirais même dans l'hygiène, je m'excuse, je suis un peu directe. Même dans l'hygiène. Alors, on ne s'occupe pas de son corps. Des fois, toi, externe, tu n'arrives même pas à supporter les odeurs, de la sueur, du truc. Alors, la bouche, on s'en fiche. Les tonnes de tartre au-dessus. Et l'odeur, mon Dieu. Non, attention. Je suis directe, j'ai dit. Attention des deux côtés. Et comme disait Ibn Abbas, l'homme et la femme. Comme j'aime que ma femme s'embellit pour moi, je m'embellis pour ma femme. Donc c'est un effort quotidien pour toujours surprendre. Surprendre l'autre et le séduire. Et comme j'ai dit, ceci, les paroles douces, les bons gestes, sont la nourriture affective, sont les piles du racel de notre amour. Donc nous avons besoin de cultiver cet amour tout le temps. Il faut faire en sorte que ton conjoint, soit ton meilleur ami. Parce que l'ami, c'est qui? C'est le confident. L'ami, c'est avec qui tu partages tes hobbies, tes centres d'intérêt, tes préoccupations, tes déceptions aussi. Avec ton ami, tu essaies de tout comprendre. De comprendre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, pour ne pas le déranger. Ton mari, oui. Prends-le pour ami et vivez cet amour marital avec l'amitié, ça ne fera que renforcer et nous allons arriver au fait que tu rêves de finir ta vie et de continuer ta vie avec lui. Ça parce que tu le prends comme ami, que tu partages tes intérêts, tes hobbies, tes préoccupations, ils sont partagés. Et partageons des projets ensemble. Les projets ne feront que renforcer aussi nos... Et passons du temps ensemble. Il faut prendre du temps. Et c'est vrai que maintenant, dans la course, le travail, entre deux portes, on se voit, il rentre fatigué, je rentre fatigué. Ce n'est pas normal. Il faut savoir dégager du temps. Il faut savoir prendre le temps rien qu'à nous. Parce que des fois, on passe du temps pour manger, pour faire des tâches. Mais ce n'est pas ça, passer du temps. Passer du temps ensemble, c'est trouver du temps pour s'occuper que de soi et de toi. C'est-à-dire que tu t'occupes de l'autre et de toi-même. Tu t'occupes de soi et de l'autre au même temps. C'est-à-dire qu'on n'a que ça. Des week-ends, c'est très bon. Prendre de temps en temps un petit temps ensemble, ça fera que fortifier notre relation qui a besoin de ça. Et puis, il faut exprimer ses sentiments. Des fois, certains ils me disent « Oh non, je ne peux pas !» Ah ben si, vous savez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé publiquement. Une fois, un compagnon, peut-être vous connaissez l'histoire, il est venu, il était content, il a dit « Ah, qui aimes-tu, le prophète de l'islam ?» Il a dit « J'aime Aïcha. » Tout court, il n'y a pas de honte là-dedans. Il n'y a pas de timidité, il n'y a pas de fausse pudeur. J'aime ma femme, j'aime mon mari, c'est tout à fait normal. C'est pour cela que je l'ai choisi, c'est pour cela que je vis ensemble, c'est pour cela que nous continuons, Inch'Allah, ensemble. D'accord ? Donc, exprimer, parce qu'on a besoin, la femme a besoin, et l'homme aussi, d'être rassuré et ne pas dire, oh, c'est tout. Des fois, certains, à la française, dire, je vis avec toi, ça veut dire que je t'aime. Non, c'est pas si évident que ça. Je t'aime, il ne faut pas non plus que ça soit comme passe-moi du sel, je t'aime. Non, il faut que ça suit l'élan du cœur. Je t'aime vraiment. J'aime partager avec toi des moments, j'aime vivre avec toi. Et le fait de l'exprimer, ça renforce cette liaison, ce lien de couple. Et lorsqu'on fait des fautes, c'est bien de reconnaître ses torts et de demander pardon. Ça diminue en rien ta personnalité ou ta... Non, c'est au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne et nous devons nous-mêmes pardonner. Donc moi, on me dit que le temps est fini, malheureusement. J'ai certaines choses qui sont indispensables pour la réussite de la vie de couple, à mon sens. La première des choses, après tout ce que je viens de dire, le respect.
le respect mutuel, le respect dans les gestes, les actes et les paroles. Ce n'est pas normal d'être grossier, ce n'est pas normal d'être insultant ou d'être insolent vis-à-vis de sa femme ou de son mari. Il faut garder toujours un niveau de parole. Ce n'est pas normal, toi, monsieur, toi, madame, la femme de foi, croyante musulmane, que ta langue, normalement, doit être adoucie par l'évocation de Dieu. Tu te permets de sortir certaines paroles qui ne sont déplacées. Parce que si tu les sors, malheureusement, tu vas dégrader l'atmosphère, tu vas baisser le niveau et ce sera très dur de reconstruire. Donc, gardons depuis le début un niveau de parole, un niveau de respect dans tout. Il faut de la valorisation. Valoriser l'autre, ne pas le sous-traiter ou le... Non, il faut valoriser. Valoriser tout ce que je l'ai dit tout à l'heure, mais je répète dans un autre sens. Valoriser tout ce qu'il fait et le dire, exprimer, montrer que tu es fier d'être avec lui, mais montrer que tu es fier de ce qu'il a fait. Ainsi, ça ne fait que développer son estime de soi et améliorer notre vie de couple. J'ai parlé de la séduction qu'il ne faut pas lâcher, la communication qu'il ne faut jamais délaisser. Avec la communication, on se rapproche l'un de l'autre, on communique davantage et on est unis pour pouvoir affronter toutes les difficultés de cette vie. Et lorsqu'on écrit, on exprime, comme j'ai dit tout à l'heure, ses sentiments, et que les enfants le voient, et là j'ouvre un autre sujet, les enfants ne seront que apaisés, fiers et en sécurité, et seront prêts eux-mêmes pour entreprendre une autre vie dans leur vie de couple futur, une vie de couple apaisée, parce que les enfants, vous savez, sont des éponges qui vont reproduire tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont vécu dans leur foyer familial. Donc la vie de couple ou la vie de famille, c'est quelque chose de très important que nous devons nous déployer vraiment avec beaucoup d'amour, je dirais, et beaucoup de volonté, beaucoup de foi pour pouvoir le réussir. C'est une grande entreprise, mais elle est si belle qu'elle mérite d'être vécue. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.